Ces animaux éprouvent-ils des émotions? Sont-ils capables de ressentir de l'amour, de la tristesse, de la colère ou encore de la peur? C'est parce qu'elles sont si complexes à étudier que les émotions ont longtemps été reléguées à un second plan, bien loin derrière d'autres sujets scientifiques plus évidents. Mais les récentes avancées des neurosciences nous permettent aujourd'hui de tenter de lever le voile sur la vie émotionnelle des animaux. Pendant des centaines d'années, les humains ont complètement ignoré la vie intérieure des animaux. Ils les considéraient comme de simples robots, des machines biologiques uniquement dominées par leurs besoins, leurs instincts et leurs hormones. Les philosophes d'alors croyaient que les animaux répondaient mécaniquement à tous les stimuli auxquels ils sont confrontés. Pareil à une table ou une chaise, ils ne seraient pas capables de ressentir des émotions ou d'avoir des sentiments. Au fil du temps, cette croyance s'est peu à peu transformée en un dogme. Les scientifiques vivaient en effet dans la crainte d'être accusés du péché mortel d'anthropomorphisme en attribuant des caractéristiques humaines aux bêtes. Complètement distincts du règne animal, les humains étaient alors considérés comme les seuls êtres sur Terre doués de sentiments. Par contraste, toute action accomplie par les animaux était attribuée à l'instinct ou qualifiée de réaction. À la vue d'une telle scène, les scientifiques du passé auraient conclu que le zèbre fait preuve d'un état d'agitation déclencheur d'un stimulus spécifique entraînant un comportement de fuite. Mais au cours des dernières décennies, les chercheurs se sont élevés contre ce type de langage et sa façon d'envisager le règne animal. De nombreux scientifiques contemporains considèrent maintenant que le mouvement du zèbre est une réaction de peur. Une émotion primaire permettant aux animaux de survivre dans la nature en les encourageant à éviter le danger. Ces hommes de science ne pensent pas seulement que les animaux possèdent des émotions, mais aussi que celles-ci sont essentielles à leur survie. Commençons par mettre des mots sur ce qu'est une émotion. Contrairement aux sentiments, les émotions sont d'abord physiologiques. Elles naissent dans le cerveau sous la forme d'impulsions neuronales qui mettent l'organisme en mouvement. Ce sont des moteurs d'action. Parmi toutes les émotions animales, la peur est sans aucun doute celle qui est la mieux reconnue par l'ensemble des scientifiques. Même les agnostiques de l'émotion trouvent facilement des arguments pour défendre son bénéfice dans l'évolution de l'espèce. La peur est une émotion essentielle servant à déclencher un comportement de défense. C'est donc un atout évident pour la survie dans la nature. Sans elle, le gnou se tiendrait immobile face à un lion commençant à lui dévorer les pattes. Cette fonction de peur est génétiquement enracinée dans le système nerveux. Le langage corporel de la peur est aisément identifiable chez les humains. C'est aussi le cas chez d'autres animaux. Le professeur Joseph Ledoux, neuroscientifique de l'Université de New York, a passé 15 ans à étudier la peur en observant ce qui se produit dans le cerveau des rats lorsqu'ils la ressentent. La raison pour laquelle la peur est relativement facile à étudier et constitue un sujet si prolifique pour la recherche, c'est que nous avons de bonnes méthodes pour la provoquer et la mesurer. Si l'on a un stimulus et une réponse à celui-ci, il est très facile de suivre le stimulus jusqu'au cerveau et d'identifier la réponse.
Il est donc possible d'observer certaines émotions via le comportement des animaux. Mais les émotions produisent aussi des réactions chimiques ou psychologiques programmées par le corps. Comme la plupart des animaux, les rats manifestent de la peur. L'odeur ou la vision d'un prédateur provoque ainsi chez le rat des bois du désert une réaction immédiate. Battement de cœur plus rapide et flux d'hormones dans tout le corps. La tour de contrôle de cette activité se situe à l'intérieur même du cerveau. C'est un minuscule appendice en forme d'amande, appelé l'amygdale, qui reçoit les signaux de danger potentiels et déclenche alors une série de réactions. Une fois le danger passé, cette réaction à la peur diminue et l'animal retrouve alors un comportement normal. Ce système d'urgence est identique chez tous les mammifères, comme chez les oiseaux. Le professeur Bernd Heinrich est l'un des experts mondiaux des grands corbeaux, le membre le plus grand de la famille des corvidés. Il vit aux côtés de ces oiseaux depuis 30 ans maintenant et les observe dans la nature comme en captivité. Après les avoir pourvus en carcasse, leur source principale de nourriture, le professeur Heinrich a vite découvert que ces oiseaux dotés d'une grande intelligence étaient aussi très émotifs. Quand j'ai commencé à observer les adultes sur le terrain, je leur donnais des carcasses de veaux. Ils pouvaient parfois se passer des jours entiers avant qu'elles ne disparaissent. Ils en avaient donc peur. Ils ne les approchaient pas à moins d'être en groupe ou à moins qu'un autre animal s'y attaque en premier. Je ne pouvais pas m'imaginer comment ces spécialistes des carcasses pouvaient en avoir peur. Je pensais qu'au contraire, ils se jetteraient dessus. Et ce cas de peur n'est pas isolé. Bien que le professeur Heinrich ait donné à manger à ce couple de grands corbeaux au même endroit pendant des mois et des mois, les oiseaux continuent d'approcher la nourriture avec circonspection. Comme un lapin qui serait effrayé par ses carottes, les grands corbeaux semblent terrifiés par un inoffensif morceau de viande. Les stratégies d'approche sautillante de ces grands corbeaux sont en effet un signe flagrant d'effroi. Mais si les grands corbeaux étaient en permanence aussi peureux, il est clair qu'ils mourraient très vite de faim. En réalité, ces oiseaux sont néophobiques, c'est-à-dire qu'ils ont peur des choses nouvelles. Tout ce qui leur est inconnu provoque chez eux une peur panique. Ces oiseaux passent du temps à évaluer chaque nouveauté avant de surmonter leur peur pour s'en approcher. Mais lorsque le professeur Heinrich a commencé à élever des grands corbeaux dans sa volière, il s'est aperçu que les jeunes oiseaux ne réagissaient pas de la même manière. Bien au contraire. Ils explorent systématiquement toute nouvelle chose placée devant eux. La curiosité des grands corbeaux les pousse même à ramasser, examiner et manipuler tous les nouveaux objets qu'ils croisent sur leur chemin jusqu'à ce qu'ils s'en lassent. La peur a laissé la place à la curiosité. Et comparée à d'autres émotions, celle-ci, comme d'autres marques d'intérêt, est souvent mal comprise. Les psychologues l'étudient depuis longtemps, mais elle n'a accédé au rang d'émotion que récemment. Elle est souvent plus prononcée chez les jeunes et s'estompe à mesure qu'ils grandissent. Sa fonction semble être l'exploration, la capacité d'attention et l'apprentissage. La curiosité est par définition le fait d'observer des choses nouvelles. Si l'on définit la curiosité comme le fait d'examiner des choses nouvelles, les grands corbeaux sont très curieux, surtout au début, lorsqu'ils quittent le nid et qu'ils manipulent différents objets. C'est une façon de tester les objets et de savoir s'ils sont ou non comestibles. J'en ai fait l'expérience. Et ils sont très impatients d'examiner les choses qui leur sont inconnues, avec lesquelles ils n'ont pas été en contact. Après un moment, ils ignorent complètement les choses qui leur sont familières.
La curiosité encourage les jeunes animaux à faire de nouvelles expériences, à évaluer les choses inconnues. Dans un sens, c'est donc l'opposé de la peur. Cela leur permet d'apprendre ce qui sera bon à manger, de repérer ce qui pourra leur faire du mal et d'écarter ce qui n'a aucun intérêt. Pendant une période limitée dans le temps, les grands corbeaux sont de grands curieux. Mais ça ne dure pas bien longtemps. Le professeur Heinrich a initié des expériences dans le but de comprendre ce qui se produit lorsque les oiseaux grandissent. Il a donc filmé de jeunes oiseaux apprivoisés pour décrypter leurs réactions aux nouveaux objets. Dans le cas qui nous intéresse, une souris mécanique. Dès l'âge de 4 mois, les grands corbeaux commencent à se méfier des nouveaux objets. Puis lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils deviennent totalement néophobiques. On peut donc en conclure que les oiseaux ne sont plus gouvernés par les mêmes émotions en prenant de l'âge. Si leur curiosité infantile les pousse à explorer, la peur qu'ils développent en tant qu'adultes les préserve des périls potentiels. Le biologiste Marc Bekoff s'interroge depuis longtemps sur les implications de ces comportements. La question que je me pose n'est pas de savoir si les émotions ont évolué, mais à quoi elles servent? Quelle est leur fonction? Je pense que leur but est d'aider à développer des liens et de l'attraction ou de la répulsion entre les individus. J'aime les arbres et les pierres, mais je ne les aime pas de la même façon que j'aime un chat, un chien ou un loup. Et je pense que c'est parce que nous ne partageons pas d'émotions. Je pense donc que c'est le partage de ces états émotionnels qui est très important pour tisser des liens, pour faire fonctionner un groupe. Pas seulement les émotions positives, mais également les négatives comme la douleur, la peur ou la colère. Ce sont précisément ces émotions négatives qui permettent à cette meute de loups de vivre en relative paix au sein d'une société régie par des règles que suit chaque animal selon son rang. Cela peut paraître cruel, mais la domination et la subordination, traduites par l'agression et la peur, sont vitales pour la survie de nombreux animaux vivant en larges groupes sociaux. À l'embouchure de la rivière, les ours n'attrapent que les plus goûteux et les plus tendres des saumons, ce qui est exactement ce que nous souhaitons. Il arrive que les êtres humains soient en conflit avec la nature. Mais les animaux aussi sont colériques, et leurs bagarres ne sont pas toujours suscitées par la nourriture. La colère est une émotion souvent perçue comme agressive. Dans les groupes de babouins de la savane, la compétition se règle souvent à travers des regards et des gestes plutôt que par les coups. Mais la lutte pour la dominance peut aussi inclure des menaces et des contre-menaces débouchant sur des combats. Et lorsqu'aucun animal ne cède, l'effusion de sang est garantie. La réponse du corps face à l'agression est similaire à sa réaction vis-à-vis de la peur. Face à une situation dangereuse, il existe une réponse stéréotypée dans le corps, une réponse au stress, une réponse de défense ou de peur. C'est à peu près la même chose. Les muscles se tendent, la pression sanguine et le rythme du cœur augmentent, des hormones sont libérées. Les réponses des neurones dans le cerveau et le corps sont rapides, mais les hormones sont lentes. Cependant, cette lenteur a un avantage. Elle vous garde enfermé dans cette émotion pendant une période plus longue. Elles sont donc lentes, mais elles ont un effet de prolongation, ce qui peut être une bonne chose. Tout comme la peur, le sentiment de colère se forme dans les amygdales et déclenche une réponse de fuite ou de combat.
Le rythme cardiaque, la tension et la respiration accélèrent, tandis que la température du corps s'élève. Le sang afflue des extrémités vers les muscles et les organes vitaux pour les préparer à l'action. Le corps est alors noyé d'hormones de stress comme l'adrénaline ou le cortisol. Ce comportement de colère existe pour de bonnes raisons et possède bien des avantages. Un animal agressif obtient plus de nourriture, protège mieux sa progéniture, a plus de chances de s'accoupler et bénéficie de plus d'espace pour élever sa famille. Résultat de ces paramètres conjugués, la possibilité d'une descendance plus abondante. Mais tout cela n'est pas sans risque. Les canines acérées des babouins mâles rendent les combats extrêmement dangereux. Pour preuve, la plupart des adultes sont marqués par des cicatrices. Une agressivité constante déclencherait d'intolérables niveaux de stress pour ces babouins. Même si la possession de territoire et la hiérarchie sont primordiales pour ces animaux, ils ont aussi besoin de vivre au sein du groupe sans se battre en permanence. C'est pour cette raison qu'ici même où la colère la plus noire s'exprime, on trouve aussi son antidote, l'apaisement. Au sein de nombre de sociétés de primates, la paix et la tranquillité sont restaurées et maintenues via l'épouillage. C'est lui qui permet aux individus d'établir un contact social rapproché. Pendant les sessions d'épouillage, les endorphines circulent dans tout le corps du babouin. Ces aminoacides, appelés peptides, sont produits dans le cerveau par l'hypophyse et l'hypothalamus. Ils agissent comme des opiacés et créent un sentiment de bien-être, provoquant une douce euphorie chez les animaux. Ils pourraient également avoir un effet analgésique. Ainsi, le ronronnement des chats traduit leur contentement. Les lions émettent eux aussi un léger ronronnement lorsqu'ils jouent, se lèchent ou se reposent. Les endorphines renforcent donc les liens entre les animaux en leur procurant une sensation de calme et de volupté. Les cousins sauvages paraissent être des merveilles d'innocence. Mais il se passe bien plus de choses dans leur esprit que nous ne pouvons le voir avec les yeux. Changement d'ambiance maintenant avec l'enclos des chimpanzés du zoo d'Arnhem. Un véritable contre-exemple de calme, notamment aux heures de repas. L'arrivée de la nourriture suscite en effet une grande impatience chez les chimpanzés. Le langage du corps et leurs cris traduisent cette intense excitation. Cet enclos a été conçu pour permettre aux scientifiques d'observer un groupe de chimpanzés dans un contexte aussi proche que possible de celui de l'état sauvage. Le professeur Franz De Waal est l'un de ses fondateurs. Lorsqu'on apporte la nourriture aux chimpanzés, ils entament ce que j'appelle une célébration. Lorsqu'ils sont en captivité et qu'arrive l'heure du repas, tous les chimpanzés se regroupent. Ils poussent des cris, ils s'embrassent, parfois ils s'épouillent s'ils doivent attendre plus longtemps. Puis quand la nourriture arrive, ils la partagent. Et je considère que ces célébrations sont partiellement liées à l'excitation, mais qu'elles permettent aussi de réduire l'agressivité. Cette réduction d'agressivité prend souvent une forme sexuelle. D'ailleurs, chez les chimpanzés, nourriture et sexualité sont intimement liées. Les deux activités semblant toujours aller de pair. Lorsqu'il y a de la nourriture en abondance, les parties de plaisir sont donc au rendez-vous. La nourriture provoque également des émotions comme la jalousie. Mais sur ce point, les sociétés chimpanzées sont régies par des règles strictes.
Une fois qu'un chimpanzé subordonné a mis la main sur de la nourriture, elle ne peut pas être prise par un animal dominant. Le dominant respecte la propriété, à condition que l'autre animal soit un adulte. Si l'autre est un jeune, ce respect-là n'existe plus. Il existe donc ce qu'on appelle en primatologie le respect de la propriété. Une fois qu'un animal possède quelque chose, les autres vont devoir le supplier pour partager. Même un mâle dominant va devoir mendier sa nourriture si elle se trouve entre les mains d'une femelle subordonnée. D'autres chimpanzés peuvent donc regarder, mais ils n'ont pas le droit de toucher. Rien ne les empêche pourtant d'user de leur pouvoir de suggestion. Les jeunes sont particulièrement sujets aux crises de colère lorsqu'un adulte refuse le partage. D'autres chimpanzés tentent des méthodes plus subtiles. On peut parfois s'attendre à un remerciement contre un coup de main. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains chimpanzés acceptent cependant de partager. Cela fait partie d'un échange de bons procédés. Je pense que pour les chimpanzés, le partage de la nourriture est une façon d'entretenir des relations. Le partage de nourriture est lié à la réciprocité. C'est une façon de payer en retour les services rendus lors de précédents partages de nourriture, dépouillage, de soutien dans des combats, de sexualité ou d'autres choses. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on voudrait se faire des amis et les garder dans la société chimpanzée. Et dans ce processus, le partage de nourriture est très important. Pour les chimpanzés, chaque repas partagé serait un genre d'acte de reconnaissance. C'est l'occasion de se faire des amis et d'exercer son influence au sein du groupe. Ceci ne pose pas de problème particulier lorsque les animaux doivent coopérer au sein de leur espèce pour survivre. Mais le partage entre espèces est beaucoup plus rare. L'égoïsme est roi à l'état sauvage. En règle générale, l'altruisme est limité car chaque animal veille à ses propres intérêts. Alors que les hommes et les chimpanzés sont soumis à des codes sociaux, la plupart des animaux n'ont aucun scrupule à faire tout ce qu'il faut pour assurer leur subsistance. Les bêtes vivent au sein d'un monde complexe où l'intelligence et la ruse peuvent être des atouts clés de la survie. La jalousie, l'envie ou l'avidité constituent des forces puissantes poussant les animaux à agir pour obtenir ce qu'ils désirent. Même si cela doit susciter colère ou déception chez les autres. L'avidité est considérée comme l'un des 7 péchés mortels. Les humains essaient d'ailleurs de contrôler ou de dissimuler cette émotion, considérée comme honteuse.
Au Centre de primatologie de Strasbourg, les scientifiques mènent des recherches pour savoir si cette capacité à contrôler ses désirs est seulement le fait de l'homme ou si les animaux peuvent aussi se maîtriser. Au cours de cette expérience, un singe capucin reçoit un fruit. Au même moment, on lui montre un autre fruit, plus désirable, car comme beaucoup de primates, les capucins ont du mal à résister à l'attrait des bananes. Les capucins savent que s'ils s'abstiennent de manger l'orange pendant 10 secondes, ils pourront l'échanger contre une banane. Pour nous, cela ne constitue pas un énorme défi, mais pour les capucins, c'est une bien difficile épreuve de maîtrise de soi. Certains de ces singes parviennent à se retenir de manger la nourriture pendant 10 secondes. Ils y seraient bien incapables de tenir plus longtemps. Il faut dire que dans la nature, les capucins ne font pas de réserve pour le futur. Toute nourriture disponible est immédiatement consommée. Loin d'être honteuse, l'avidité permet donc aux animaux de tirer profit des ressources accessibles. La politesse et la bienséance sociale lisent peut-être le monde dans lequel nous vivons, mais pour la plupart des animaux, ce genre de valeur entraînerait l'extinction pure et simple de l'espèce. Les animaux sont en effet dominés par leurs émotions et leurs désirs. Parfois, c'est aussi le cas chez les humains qui résistent difficilement aux sirènes de l'amour. On dit que l'amour est aveugle, et il semble bien qu'au sein du règne animal, ce dicton puisse aussi s'appliquer. L'amour est peut-être la plus exaltante des émotions, mais ne nous y trompons pas. Il s'agit juste d'un moyen pour la nature d'assurer la reproduction et la survie des espèces. Pour atteindre ce dessein, l'amour peut se décliner sous trois formes : désir, attirance et attachement. Le désir est conçu pour déclencher l'accouplement avec n'importe quel partenaire approprié. L'attirance permet aux individus de choisir un partenaire en particulier. Enfin, l'attachement entre mâle et femelle permet aux individus de coopérer avec un partenaire jusqu'à ce que les obligations parentales soient accomplies. On pourrait définir l'amour comme un intense sentiment mêlant désir et attraction. Cette irrépressible envie d'être tout contre l'autre à chaque instant. Cette volonté de ne voir que ses bons côtés et d'entrevoir par-delà son apparence, sa beauté intérieure. Ah, subtile magie de l'amour. Mais trêve de lyrisme, bien plus que d'alchimie, c'est de chimie amoureuse qu'il nous faut parler. Au cours des 20 dernières années, les scientifiques ont en effet démontré que l'amour est tout compte fait un genre de drogue. Les substances chimiques délivrées par le cerveau stimulent chacune des différentes phases de l'amour, du désir à la liaison amoureuse, puis enfin à l'engagement dans la durée. Les éléphants de mer, eux, ne voient pas aussi loin. Ils copulent, se font quelques caresses, puis chacun suit son propre chemin. Il ne s'agit ici que de désir. À la vue d'un partenaire potentiel, le système limbique du cerveau envoie des messages chimiques aux organes reproducteurs, leur ordonnant de lancer la fabrication d'hormones sexuelles. La testostérone et l'œstrogène parcourent alors le corps, et l'accouplement peut commencer. Le lien entre parents et enfants constitue, lui, une forme d'amour plus durable.
Ce type d'amour est associé à l'ocytocine produite par la glande pituitaire située dans le cerveau. Lorsque les mammifères mettent bas, le fœtus stimule le canal de naissance et libère de l'ocytocine dans le système nerveux de la mère. C'est cette ocytocine présente à la naissance qui permet à la mère de tisser des liens avec son petit. Cette même substance chimique est également essentielle à la production de lait et à la prodigation de soins maternels. Chaque tétée produit de l'ocytocine supplémentaire et renforce ainsi le lien entre la mère et son nourrisson. Chez la grande majorité des mammifères, les mâles jouent un rôle vital dans la reproduction, mais leur fonction est mineure dans l'élevage de leur progéniture. Les familles monoparentales sont la norme dans la nature. Seuls 3% des mammifères nouent des relations de longue durée. Par contre, les oiseaux sont bien plus enclins à la fidélité. En effet, près de 90% des volatiles pratiquent la monogamie et les albatros ne font pas exception. Cet attachement des couples est vital pour engendrer leur progéniture. Sur l'île de Midway, dans l'océan Pacifique, des milliers d'albatros reviennent de migration en novembre pour la saison des amours. Ces oiseaux vivent la plupart de leur vie en mer. Ils posent pied à terre pour trouver un conjoint et engendrer. Pour cela, les albatros doivent nouer une relation à long terme qui dure souvent toute la vie. La quête d'un partenaire n'est donc pas prise à la légère. Un sens du rythme et une bonne hygiène personnelle ne sont pas les seules clés d'une vie de couple heureuse. Dans les premiers temps de la saison des amours, la testostérone, une hormone reproductive, est présente en quantité très importante dans l'organisme des mâles. Les scientifiques pensent qu'elle stimule l'envie de faire la cour chez ces oiseaux. Mais ne vous attendez pas au coup de foudre. Le couple doit se prouver mutuellement sa valeur avant de consommer la relation. Parmi les deux sexes, les femelles sont les plus difficiles dans leur choix. Elles cherchent en effet un partenaire pour élever leurs petits parce qu'elles ne pondront pas un autre œuf avant 2 ans. Les femelles posent leur dévolu sur un mâle en fonction de ses gènes, mais surtout de ses compétences en matière de soins parentaux. Car avoir 2 parents est vital pour la survie de l'oisillon. La femelle pond un œuf qui sera couvé par le mâle la majeure partie du temps. À ce stade de la relation, les scientifiques pensent qu'une autre hormone constitue le ciment du couple. Au moment où le niveau de testostérone baisse chez le mâle, il est remplacé par la prolactine, une hormone qui encourage le comportement parental. De hauts niveaux de prolactine sont présents chez le mâle et la femelle pendant toute la période d'incubation et perdureront au-delà pour que les deux parents continuent de s'occuper ensemble du petit. Les niveaux de testostérone, eux, sont très bas, ce qui signifie que le mâle est moins intéressé par d'autres femelles. Les parents se relaient pour partir en mer en quête de nourriture. Ils peuvent même voyager jusqu'à 6000 km et s'absenter durant plusieurs jours. Les soins requis par le poussin albatros sont tels que celui-ci ne pourrait aucunement survivre en présence d'un seul parent. La prolactine est ainsi une substance vitale pour que les parents soient particulièrement attentifs au bien-être de leur rejeton. L'évolution a donc une fois encore trouvé la potion miracle pour aider les animaux à s'épanouir dans leur vie de famille. Beaucoup de récits témoignent d'un comportement de compassion chez les animaux. Mais d'autres, plus nombreux encore, montrent qu'ils ne se soucient absolument pas des autres êtres vivants. Les animaux carnivores ont besoin de tuer pour vivre. Et certains nettoyeurs n'attendent pas la mort pour se servir. Tout cela fait partie du cycle de la nature et la plupart des bêtes acceptent cet état de fait.
Mais parfois, les animaux refusent de céder à ce destin. Cet instable manchot est la promesse d'un bon repas. Et cette fois-ci, les membres de sa famille viennent à sa rescousse. Ils semblent être conscients que leurs camarades souffrent et courent un grand danger. L'oiseau en détresse se trouve vite entouré de protecteurs poussés par l'inquiétude ou la curiosité. Des tentatives plus ou moins douces sont faites pour sortir l'oiseau de son hébétude. Il est difficile de savoir ce qui passe par leur tête, mais leurs actions montrent qu'ils ne sont pas très enclins à abandonner le manchot à son triste sort. Peut-être savent-ils que s'ils le laissaient, il serait aussitôt attaqué. En les observant, il est facile de s'imaginer que ces animaux réfléchissent à leurs actions. Mais peuvent-ils vraiment comprendre ce que ressentent leurs congénères? Afin de comprendre les émotions des autres animaux, il faut au préalable avoir conscience de soi. Un animal sait sans doute des choses, mais est-il conscient de ce savoir-là? Cette compréhension, cette capacité à se penser est la clé de la conscience de soi. Des expériences utilisant des miroirs ont montré que même les singes sont incapables de se reconnaître. Seuls les chimpanzés et les orangs-outans, nos cousins les plus proches, semblent à peu près comprendre que le miroir renvoie leur propre reflet. Si la plupart des animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes, peuvent-ils comprendre ce que ressentent les autres? L'empathie provoque parfois des débordements d'émotions. Mais tous les animaux ne semblent pas aptes à y céder. Des millions de singes à longue queue, appelés langurs, habitent le sous-continent indien. Ces singes sacrés, considérés comme l'incarnation du dieu Hanuman, sont vénérés par les hindous. Les singes décédés bénéficient parfois de rites funéraires élaborés. Le mort est orné de guirlandes et de poudre d'ocre. Mais la réaction du singe envers ses propres morts est bien moins ostensible. Lorsque la mère langure donne naissance à un bébé mort-né, elle semble plus perplexe que triste. Il peut paraître simple de lire les émotions dans une telle situation, il n'est pourtant pas facile de connaître les véritables pensées de l'animal. D'un point de vue anthropomorphique, la mère semble triste, mais que ressent-elle vraiment? Les scientifiques ne sont même pas sûrs qu'elle soit consciente de la mort de son petit. Elle croit peut-être seulement que son nourrisson fait preuve d'un étrange comportement. D'autres singes dans le groupe semblent s'apercevoir que le bébé est mal en point. Mais il serait trop facile de voir là de la tristesse, parce qu'en tant qu'être humain, nous serions attristés dans pareille situation. Nombre de scientifiques pensent que les humains sont les seuls à avoir conscience d'eux-mêmes,
Et l'une des façons de s'en rendre compte est d'observer notre réaction à la mort. Nous savons que nous allons tous mourir un jour, tandis que les animaux semblent vivre dans une totale insouciance. À l'heure de la mort, nous procédons à des rituels sous la forme d'enterrement ou de crémation. Mais cela signifie-t-il qu'aucun autre animal n'ait une quelconque compréhension de la mort ? Les scientifiques qui ont passé beaucoup de temps auprès des éléphants pensent que ces grands animaux sont dirigés par leurs émotions. Les éléphants comptent parmi les seuls animaux qui semblent avoir conscience de la mort et montrent des signes de tristesse. Lors de la naissance d'un bébé prématuré, la mère et d'autres proches semblent réellement s'inquiéter. Contrairement aux langurs, ils paraissent réaliser que le nouveau-né est entre la vie et la mort et qu'il ne s'en sortira pas tout seul. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour lui venir en aide, jusqu'à tenter de le soulever pour le déplacer vers un endroit protégé du soleil. Mais en vain. Après la mort de l'éléphanteau, ses proches passent les 3 jours suivants à veiller sa dépouille. Il n'y a aucun doute, par exemple, que les éléphants éprouvent de la tristesse, un sentiment de deuil, si l'on veut, face à la carcasse d'un autre éléphant. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de savoir que l'animal ne va jamais revenir pour ressentir cette tristesse. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de comprendre que le concept de mort comme nous le comprenons, parce que même chez les humains, il y a des variantes dans le concept de mort. Certains croient à la réincarnation. La mort n'est donc pour eux qu'une phase transitionnelle. Je ne pense donc pas qu'ils doivent comprendre que l'animal est parti de manière définitive, mais je pense que les éléphants ou les chimpanzés et les chiens sont conscients qu'un autre individu est parti. Si nous tournons le dos aux émotions animales, nous pourrions finir par récolter plus d'ennuis que prévu. Chez certains animaux domestiques, les réactions émotionnelles posent quelques problèmes que les spécialistes prennent très au sérieux. Le professeur Nicolas Dodman travaille à l'hôpital vétérinaire du Massachusetts depuis 20 ans. Après avoir commencé sa carrière comme chirurgien vétérinaire, le professeur Dodman est maintenant un genre de psychologue pour animaux domestiques. Les clients parcourent des centaines de kilomètres pour obtenir une consultation pour leurs animaux à problème. Hazel fait partie de cette catégorie. Si Laura est sans doute la meilleure amie de cet animal, leur relation trop proche est devenue problématique. Laura ne peut désormais plus laisser son chien seul à la maison. Quand elle y est contrainte, ce chien docile devient tout simplement fou. Après qu'il ait détruit sa maison, puis sa voiture, Laura est aujourd'hui obligée de déposer Hazel dans un chenil lorsqu'elle sort. Dès qu'elle comprend que je suis sortie, elle panique. Je la laisse pendant une heure environ à chaque fois dans le chenil. Mais je me sens coupable pendant tout ce temps. Vous savez, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai essayé toutes sortes de choses, mais rien ne fonctionne. Le professeur Dodman pense que les animaux possèdent des émotions et dans le cas d'Hazel, il diagnostique un symptôme d'anxiété de séparation. Cette réponse de détresse neurologique signifie que le chien ne supporte pas d'être séparé de son maître, même pour une courte durée. Le lien entre vous est si intense que la séparation devient douloureuse.
et cela n'est pas bon. C'est donc une forme de dépression. Quand vous partez, je pense qu'elle croit que vous partez pour toujours et qu'elle va se retrouver toute seule. Le docteur utilise un mélange de modifications comportementales et de médicaments pour régler ce genre de cas où un animal a développé un attachement trop fort, ce qu'il nomme un chien velcro. Hazel affiche un symptôme classique d'anxiété de séparation, incluant des vocalisations, hurlements et aboiements, un comportement destructeur, de l'anorexie et une salivation excessive. Les recherches actuelles montrent qu'il existe un lien entre l'anxiété et certaines parties du cerveau. Des médicaments connus sous le nom d'inhibiteurs du recaptage de la sérotonine, un genre d'antidépresseur, sont utilisés pour prolonger l'effet de la sérotonine dans le cerveau. Cette dernière permet de réduire et de contrôler les symptômes d'anxiété de séparation. C'est ce type de médicament que le docteur Dodman prescrit à ses clients canins. Les études neuroscientifiques ont confirmé ce que beaucoup d'entre nous suspectaient depuis toujours, les animaux possèdent des émotions. D'ailleurs, ceux qui vivent aux côtés d'animaux familiers l'ont toujours su. Il est possible de déchiffrer les sentiments de nos compagnons via leur langage corporel. C'est ça. Après des années de rejet de cette évidence, les scientifiques commencent à penser que cette façon de regarder les animaux est plus efficace que le détachement qu'ils avaient par le passé. Les animaux semblent manifester en permanence ce qu'ils ressentent. Contrairement aux humains qui passent un temps fou à tenter de dissimuler aux autres ce qu'ils éprouvent, les bêtes, elles, paraissent avoir un accès direct à leurs émotions. Ça ne fait plus aucun doute, les émotions animales existent. Il est temps maintenant d'aller au-delà de l'anthropomorphisme pour tenter de lire chez les animaux des émotions autres que celles que nous connaissons. En route peut-être vers de nouvelles vies émotionnelles.